What's up tout le monde, c'est Super Solution. J'espère que vous allez très très bien, moi ça va nickel. Alors je me retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA, mode réalisateur, sur PS4 bien sûr. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une toute nouvelle information sur GTA 5 Online, PS4, donc sur les consoles Xbox One, PS4, PC. Il y aura le tout nouveau DLC Import-Export. Débarque en décembre, donc excusez-moi, je suis hors sujet. Dans quelques secondes, je vais vous montrer un truc que j'ai fait dans le gameplay. Parce qu'en fait, tout simplement, j'étais en train de faire le gameplay. Et là, il y aura ce moment magnifique qui va être au ralenti. Regardez. Bref, pour vous, c'est peut-être pas si magnifique que ça, mais moi, j'ai voulu quand même mettre ce moment-là un peu en avant. Bref, on va parler surtout du DLC. Donc, comme d'habitude, pour toutes les présentations de DLC, comme vous pouvez le voir, il y a l'intro déjà GTA, ce qui est tout simplement normal vu qu'on parle d'informations sur GTA 5 Online. Et comme d'habitude, je vais vous lire de toute manière le texte qui résume ce DLC. Donc, à mon PDG, c'est parfaitement qu'il y a toujours des nouvelles opportunités à saisir. Tandis que le commerce des marchandises spéciales est en plein essor dans le sud de San Andreas. Une nouvelle aubaine idéale pour renforcer votre domination sur la ville se présente à vous. Dans GTA Online, Import-Export, n'hésitez pas à vous servir de vos points pour vous faire une place dans le domaine lucratif et spécialisé du vol de voitures grande échelle. Donc là j'arrête de lire le texte. Nous avons une image, donc désolé, je les ai pas prises les images. Donc si vous voulez voir c'est quoi les images, allez sur le site Social Club. Vous n'avez pas besoin de vous connecter pour voir les nouvelles informations dans tous les cas. Comme on peut le voir, là on a une voiture orange qui est nouvelle. Enfin bref, là vu la classe du garage, je crois qu'il faut avoir un compte lobby pour s'acheter tout ça, car voilà. Donc croisons les doigts pour que j'ai un nouveau compte lobby. Donc s'il y a des modeurs ici qui font des lobbies, coucou. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Et bien sûr en échange, vous aurez une pub. De toute manière vous me connaissez. Et donc voilà, je rentre dans le texte. Voler et vendre des véhicules, c'est un business bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Import-Export s'appuie sur la chaîne d'approvisionnement, excusez-moi, de haute finance et basse besogne, et offre une toute nouvelle vocation criminelle aux PDG et aux membres de leur organisation. Voler, modifier et revendre les véhicules, excusez-moi, les plus recherchés de la ville et réaliser des bénéfices incroyables. Pour effectuer correctement votre travail, vous aurez besoin de talent, de coordination et vous devrez utiliser vos nouveaux véhicules spéciaux avec discernement, excusez-moi. De plus, vous devrez vous assurer d'avoir toujours une longueur d'avance sur la police et sur vos rivaux, qu'ils se trouvent en ville ou à la campagne. Vous pourrez retrouver les résultats de vos opérations d'import-export dans les nouveaux entrepôts de véhicules PDG. Vous aurez la possibilité de récolter les fuites de votre labeur et d'agrandir vos bureaux en investissant dans un garage de fonction à 3 niveaux pour vous y garer 60 véhicules en toute sécurité. Excusez-moi si j'ai commencé à parler beaucoup plus fort. Non mais quand même, 60 véhicules dans un garage. Et le garage il contient 3 étages. Bref, je continue. Vous pourrez le décorer comme bon vous semble et même vous y installer un atelier de customisation. Putain la vache. Nous publierons bientôt plus d'informations sur Import-Export, dont un aperçu de nouveaux véhicules spéciaux qui nous permettront de semer les chaos, et la destruction dans GTA Online d'une manière totalement inédite. Donc là, je vous avoue que le véhicule qui est en face de moi, il est tout simplement flippant. On dirait la Batmobile avec une grosse plateforme dessus. Enfin bref, on dirait que genre c'est un modeur qui s'est éclaté et qui a modifié la voiture. Ouais, donc voilà. Donc il y a des nouveaux véhicules. On voit pas trop lesquels quand on en voit que deux du coup. Ouais, que deux nouveaux. Ouais. Donc voilà, bon, c'est déjà pas mal. Et voilà. Donc vous voyez que ce DLC quand même il va être relativement cool. Donc il va sortir en décembre. Ouais, malheureusement, je serai pas là.
je pourrais pas en profiter pendant les vacances. Donc si le DLC sort, vous inquiétez pas, dès que je reviens, je vais quand même... Enfin, après ça dépend de moi. Soit je vous fais une présentation du DLC, soit je vous en fais pas. Enfin, je verrai. Surtout que je prends l'avion du coup 3 jours au début des vacances. Donc du coup le 20, si je fais bêtise. 20 décembre. Je sais plus. Et je rentre le 5. 5. Je rentre le 5, 3 jours après la rentrée. Donc du coup, je vais vraiment pas pouvoir vous faire des vacances. Des vidéos pendant les vacances, donc du coup, ce qui expliquera une grande inactivité. Mais vous inquiétez pas, vous me connaissez, à chaque fois que je pars en vacances, je vous prendrai des petites vidéos que je vais poster. Je vais vous faire des vlogs en gros. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Donc si vous avez des questions pour ce DLC, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et s'il y a des petits lobbyman, coucou. Non, j'arrête. Bref, allez, ciao, bye, tout le monde, bye, merci. Sur ces images.